Bonjour, je vous propose aujourd'hui plusieurs petites recettes sur des thèmes différents, mais toujours avec le même outil, le stick inhalateur. Alors, les sticks, je les achète chez Aromazone, ça coûte pas très cher, ça doit coûter dans les 3 euros. À l'intérieur, vous avez 6 sticks, donc ils se présentent comme ça. Vous avez un bouchon et un stick, et puis également, vous avez des mèches et des petits capots pour fermer le stick une fois que vous avez mis la mèche à l'intérieur. C'est les mèches que nous allons imbiber d'huiles essentielles et ensuite nous les mettrons à l'intérieur, nous fermerons et nous pourrons utiliser le stick dans la journée, n'importe quand et surtout le respirer. Donc là, on utilise l'aromathérapie par l'olfaction et ça touche directement le cerveau limbique qui est relié notamment aux émotions. Alors, je vais vous montrer comment on s'en sert pour la première synergie et puis ensuite pour les autres, je vous dirai simplement les huiles essentielles qu'il faut mettre sur les mèches. Pour la première synergie, je vous propose une synergie coupe-faim pour lutter contre les compulsions alimentaires. Alors, nous allons prendre 3 huiles essentielles qui sont majeures dans le cas des compulsions et notamment des compulsions au sucre. Et ça va être le pamplemousse, le poivre noir et le petit grain bigarade. Donc, nous allons commencer par le pamplemousse et nous allons mettre 16 gouttes sur la mèche. Nous allons mettre 3 gouttes de petit grain bigarade. Et nous allons mettre une goutte de poivre noir. Voilà, et ensuite on va mettre ça donc dans le stick. Vous refermez le capot. Voilà. Et puis ensuite, il suffit de dévisser dans la journée et de respirer, donc de prendre des profondes inspirations plusieurs fois par jour. Dès que vous avez envie en fait de sucre ou dès que vous avez une compulsion, commencez déjà par respirer le stick inhalateur. Je vous propose ensuite une autre synergie, cette fois-ci bonne humeur. On va retrouver un peu les mêmes huiles. Donc on a le pamplemousse, on a le petit grain bigarade et par contre on va rajouter l'ylang-ylang. Donc on met 14 gouttes de pamplemousse, une goutte d'ylang-ylang et puis 5 gouttes de petit grain bigarade. Voilà, vous faites la même chose et vous avez votre stick bonne humeur. Pour la confiance en soi, je vous propose cette fois-ci de prendre 12 gouttes de laurier noble, 6 gouttes de basilic sacré et 2 gouttes de muscade de Sri Lanka. Et donc ça vous fait la synergie confiance en soi. Pareil, à respirer dans la journée aussi souvent que désiré. Je vous propose également une petite synergie immunité. Donc dedans, nous allons mettre 10 gouttes d'eucalyptus radié, 6 gouttes de ravinsara et puis 4 gouttes de titri. Ensuite, une petite synergie anti-nausée. Donc on va utiliser bien évidemment du citron. On va mettre 16 gouttes de citron, 2 gouttes de gingembre et puis 2 gouttes d'estragon qui est un antispasmodique. En cas de fatigue intellectuelle, pour tonifier un peu, vous pouvez utiliser donc des huiles essentielles qui sont tonifiantes, comme le pin sylvestre, le sapin baumier, le laurier noble. Voilà, je vous laisse tester tout ça, puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao !